d'ailleurs, un rêve à l'origine d'une carrière. Donc oui, en effet, j'ai pas vraiment vu venir, mais le cinéma, ça a toujours été un monde que je regardais de loin, avec plein d'étoiles dans les yeux. Et effectivement, se voir proposer un premier rôle grâce à une couverture, donc pour moi, parce que j'étais mannequin au départ, c'était juste incroyable. Donc oui, on le rêve dans son lit, on y pense, mais on ne pense pas une seule fois être capable, en tout cas, de pouvoir arriver à ce niveau-là. Quelle a été ma source d'inspiration? Je vais dire que je fonctionne à l'instant. Voilà, c'est de belles rencontres, des projets qui me parlent. Et à partir de là, ma première rencontre, ça a été avec Didier Aufort, donc réalisateur avec une productrice qui s'appelait Dialogue Production. Ils m'ont fait confiance et la source d'inspiration au départ, il y en a tellement en fait que je ne sais même pas par où commencer parce qu'il y a eu plein de monde avant nous et c'est vrai que nous on arrive derrière avec un cinéma romantique plus ou moins et on respecte tous les plus grands, Isaac de Bancolé, on respecte tous ceux qui sont passés là avant nous et on est juste content d'être là au jour d'aujourd'hui et de pouvoir continuer en tout cas ce rêve. Effectivement, le cinéma, c'est une façon d'agir, une action en elle-même. Là, je suis actuellement sur un projet donc, qui me parle, qui sera donc mon prochain long métrage tiré d'un roman qui s'appelle Le couteau brûlant. Donc, quand on choisit, pourquoi on a envie de travailler, là, ce sera sur le thème assez important de l'excision. Donc, c'est une façon pour moi, en tout cas, d'apporter ma contribution et de pouvoir permettre, en tout cas, après ce film, à des petites filles de ne plus être excisées. Parce que voilà, c'est une façon en tout cas de poser mon acte à moi par le cinéma. Si les gens voient ce film derrière et qu'on se dit « Ah non, 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 il faut plus que ça arrive à d'autres », ce sera ma petite contribution. Merci à vous.